Bonjour, moi c'est Antoinette Moreira. Je suis béninoise d'origine. J'ai fait une formation académique. J'ai un CAP en menuiserie. C'est une passion, le bois, pour moi. Et je suis aussi dans le commerce. Le sport, c'est une passion. Depuis l'enfance, j'ai commencé par jouer très très tôt grâce à mon grand frère qui m'a appris à jouer. J'ai fait le football de rue. Après, j'ai joué dans les Tigresses de Cotonou et puis dans les Flèches Noires dans les années 1994 jusqu'en 2002, voire 2008. Et après, de 2003 jusqu'en 2014 au Bénin, J'ai encadré dans le football mixte, masculin et féminin, plus masculin que féminin. J'ai organisé quelques événements comme tournoi inter-ambassade mensuel en 2013 et 2014. Après, en 2013, je suis partie en France pour passer quelques modules d'entraîneur de football. Et puis en 2014, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai entraîné en France en 2014, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. À part cette saison, j'ai entraîné à Clermont-Ferrand une équipe de U18 féminin. Et puis à Mozart aussi, les U11 mixtes. Tu es étrangère et c'est les enfants du pays qui sont plus valorisés, même s'ils n'ont pas le niveau que tu as. Il y a une solidarité dans d'autres pays que je souhaite avoir dans mon pays. C'était que des bonnes expériences, mais je dirais que l'Europe et l'Afrique, c'est pas les mêmes éducations, c'est un autre monde à part, même si des fois j'entends dire que on est les mêmes culturellement. Aujourd'hui, je peux certifier que l'Europe, c'est un autre monde et l'Afrique, c'est un autre monde. Grâce à la solidarité, à la mentalité, à la manière de faire. Ici, on a un respect de l'hiérarchie qu'on ne trouve pas forcément de l'autre côté. Là-bas, il y a une loi, il y a beaucoup de choses. Les éducations ne sont pas pareilles. L'inspiration est venue du fait personnel et fait réel, parce que ayant été joueuse au Bénin, ayant été ancienne joueuse du Bénin, des Tigresses et des Flèches Noires, l'une des meilleures équipes dans les années 95 jusqu'en 2000, voire 2003, j'ai eu des manques, j'ai eu des envies qui n'ont pas été comblées. Et je me dis, qui n'ont pas été comblés, ayant eu ces parcours en Afrique et en voyant ce que je voyais en Europe, je me suis dit, il faut quelque chose. Et l'État, c'est nous. Et si on doit changer quelque chose, si nous ne le faisons pas, personne ne viendra nous aider. Et aucun étranger ne viendra faire ce que nous-mêmes, nous devons faire, parce que nous connaissons nos mal, le mot dont nous souffrons. Tout ce que je ramène au Bénin, c'est des choses que j'achète sur fond propre, parce que j'ai envie que ça évolue et nos joueuses sont dans des précarités qui ne disent pas son nom. Donc, raison pour laquelle le projet Milanpeu est né, et depuis quelques années, on a fait organiser des tournois. C'est des tournois de prospection. C'est des tournois qui nous ont permis de savoir, de voir le niveau sur le terrain, la performance sur le terrain et en dehors du terrain, l'éducation aussi. Donc à travers cette année maintenant, pour instaurer un projet socio-éducatif, d'insertion professionnelle, de sensibilisation sur plusieurs thématiques qui sont obligatoires et impératives pour le sport aujourd'hui. Et aussi sur le leadership et l'autonomisation à travers la pratique du football féminin. Football.
football féminin au Bénin, j'ai de l'espoir. J'ai un regard très favorable là-dessus. Parce que nous avons des filles qui ont la volonté. Qui ont la volonté et qui ont la passion à cette discipline qu'on doit soutenir. Et moi, je ne peux pas voir ou ayant vécu cette situation, abandonner ses filles à leur sort. Aujourd'hui, certes, on n'a pas encore de performance, mais si on s'y prend au sérieux et on se donne les moyens et on investit aussi, je pense que d'ici 3 voire 5 ans, ce ne seraient que des Béninoises qui vont représenter notre Bénin dignement. J'adore la pâte avec tout ce qui va avec, le crin-crin, les froments, tout ce qui est de notre tradition, de la nourriture culinaire de notre pays, j'adore. J'exhorte tout le monde à soutenir les filles qui pratiquent une activité sportive. C'est pas évident. Mais si nous les décourageons par nos mots et nos gestes, les filles sont fragiles et elles vont laisser. Aujourd'hui, on a besoin des filles leaders dans tous les domaines. Et le sport, aujourd'hui, pallie à tout. Une personne en activité sportive a moins de problèmes en santé qu'une personne qui ne fait pas de sport. Le sport, c'est la santé, c'est la vie. Le sport te permet de développer et de créer un réseau. Donc, chers parents, laissez les filles, mais accompagnez les filles. Aller sur le terrain, aller encourager les filles. Merci.